La police nationale là qui gagne un nouveau patron qui relève France LB, mais nous prenons un pitot dans la Jamaïque côté autorité. Arrêté un suspect, qui a connexion avec l'assassinat président Jovenel Moïse. Sandra Lemaire, gain détail. Un responsable de la police dans la Jamaïque dit Associated Press que l'autorité a arrêté un Colombien, c'est un suspect dans l'assassinat président haïtien. Jovenel Moïse, 7 juillet passé. PNH a publié un avis recherche contre Colombien Mario Antonio Palacios, que les décrit comme très dangereux dans le mois de juillet. Stephanie Lindsay dit Associated Press jeudi, responsable après les diverses ambassades avec ministre Affaires étrangères pour confirmer les détails. Lydie, la police pral dévoiler plus d'informations avant longtemps. VOA Creole prend contact avec le département de police Jamaïque là jodi a, mais il n'y a pas banou aucune autre information. Il y a plus passé 40 suspects qui fèmen en prison en connexion avec l'assassinat président Moïse là. Parmi eux, il y a 18 anciens soldats colombiens avec plusieurs officiers de la police nationale Haïti. Autorité haïtienne dit moun qui comploté assassinat ak sa yo qui financé a psiculé de yoa et que yo poko rive joine yo. Parmi moun y a chaché yo gagné haïtien Joseph Badio qui était un employé ministère justice là et puis un membre force anticorruption gouvernement avant yo té révoqué le mois de mai. Yo té accusé de ce que li violé loi éthique sans bail aucune précision. Assassinat président Jovenel Moïse l'a choqué pays a et plongé dans plus instabilité politique. Sandra Lemaire pour la Voix d'Amérique, Washington. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire qui lui-même t'a insisté pour te parler avec police dans pays la Jamaïque. Et Sandra, qui s'en joint? Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Donc, nous, sous police dans la Jamaïque, fait nous connaître que Jean Puyo a arrêté suspect colombien, hein, c'est que yo joigne que Teguin Oumoun, yo recevoir un rapport que Teguin Oumoun sans document qui était entré sous île. Donc, sous-entendu que c'est équipe antiterrorisme et force police Jamaïque là qui était allé y mener enquête sous ça. Et au fait que n'est ça pas de gagner et documents et que ils ont commencé à faire recherche, ils ont pris contact avec quelques sources policières internationales et ils ont joint que gagné un mandat d'arrêt et contre et Mounsa parce que il pas de gain documents, il pas de gain pièce d'identité sous l'île ils ont arrêté là. Et ils ont joint que Interpol gagné ou alerte rouge contre monsieur ça. Donc l'ISM connaît que et monsieur et fait main dans prison et il était comparé dans le tribunal parce que l'accusation qu'a pesé sous Dol Kounye là, c'est que lui entré dans le pays illégalement, sans et papier. Donc, en attendant, il prend contact avec Haïti, il prend contact avec ministère affaires étrangères, moi supposé que c'est Colombie. Moi poser la question et pour qu'on ait, est-ce que ça veut dire que si vous arrivez à identifier lui, vérifier que c'est Palacios vraiment vrai, est-ce que vous pouvez extrader en Haïti? L'IFM connaît que ça dépend de accord extradition qui existait entre Jamaïque avec Haïti et puis toute nationalité mouna. Ils disent que c'est pas nécessaire que yo extrader monsieur en Haïti. C'est possible que yo extrader le Colombie ou bien dans l'autre pays. Que y a mené enquête sur ça. Il faut qu'on vraiment capable d'im définitivement qui ça que donc, c'est tout ça que moi capable de dire pour Kounier, Jacqueline, par rapport avec Kassa. Merci Sandra. Donc, nous avons toujours et avec les yeux ouverts, nous avons essayé d'établir notre contact avec l'autorité haïtienne, l'autorité colombienne et puis notamment la Jamaïque. Nous avons essayé même d'entrer en contact avec le consul honoraire en Jamaïque, haïtien en Jamaïque. Mais ça n'a pas de succès. Donc, merci Sandra. Sous dossier ça,
Mario Palacios Palacios, qui est un suspect dans l'assassinat président Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti. N'a pas entré dans le pays d'Haïti avec l'autre point cap dominé actualité, inspecteur général Franz LB prend tête et police nationale là, côté l'y remplacer Léon Charles qui démissionnait. Nouveau développement, ça arrivé dans un moment pays a traversé une crise qui à la fois politique, économique, sécuritaire et directeur général AIPNH là, eh ben, l'y déjà gain remplaçant. Monsieur LB déjà présenté l'ectupale de situation et dans le discours installation, il déjà dit qui mesure que l'y pourra l'adopter. Avec la vue gouvernementale, va prendre des mesures afin de sensibiliser, motiver les policiers et le personnel administratif sur l'accomplissement de leur tâche à ce carrefour historique de la nation haïtienne. Nous allons renforcer les dispositifs de sécurité à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine, en vue de prévenir les cas de kidnapping, empêcher les malfrats de commettre leur forfait, permettre à la population de vaquer paisiblement avec toute quiétude à leur occupation. Combattre le banditisme, le démantèlement des gangs, le trafic illicite d'armes à feu seront nos principales priorités. C'est un gros combat. Combat, ça a besoin d'appui tout le monde dans la population. Quel que soit le côté, quel que soit le secteur, quel que soit le groupe. Là, à un moment, le pays a besoin de toute petite pour que nous redressions la situation que nous avons aujourd'hui. Donc c'était nouveau patron police nationale la Franz LB qui remplaçait Léon Charles Takounoudil qui démissionnait. Mais qui est-ce qui Franz LB? C'est un policier de carrière. Une présentation Yves Manuel. Franz LB intégré police nationale d'Haïti à la date 24 octobre 1995 avec grade agent 2. Il a gravi pratiquement plusieurs échelons pour vin en 2016 inspecteur général avant nomination comme directeur général institution la police là la date 21 octobre 2021. Monsieur LB était un des autres responsables commissariat Maïssad dans département centre, assistant chef groupe dans commissariat Port-au-Prince, comptable délégué, responsable suivi dossier administratif dans police nationale là auprès ministère planification et coopération externe, ministère économie et finance à cour supérieure des comptes pour direction centrale administration et puis service général. Ensuite, Franz LB était responsable commissariat Grand Gouave dans Grand Rivière Nord dans Croix des Bouquets. Li vin assistant directeur général dans Grand Danse avant le vin respectivement directeur départemental police dans NIP ak Sud-Est et puis Centre Pays d'Haïti. Nouveau patron police nationale d'Haïti, te coordonnateur sécurité présidentielle sorti février 2016 pour arriver février 2017 sous ancien président Jocelyn Privert. Il était ensuite ministre conseiller dans mission permanente d'Haïti dans Nations Unies. Parmi études, l'IFE, Franz LB, gon maîtrise dans affaires études avec défense et puis sécurité, li gagne un diplôme dans sciences comptables dans l'Institut hautes études commerciales et économiques, li diplômé tout dans droit juridique et école de droit dans Gonaïve. N'a souligné, Franz LB prend tête police nationale d'Haïtien dans un contexte insécurité généralisée qui marqué notamment par phénomène kidnapping. Nouveau patron PNH là promet pour le travail rapide pour permettre population vaquer librement à occupation. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Gagne plusieurs réactions sur nouveau développement ça notamment changement qui gagne dans tête police nationale là gagne leader dans société civile là gagne leader politique qui notamment gagne Youri la Tortue qui c'est leader et Haïti en action qui fait connaître que même si ou changer même si ou changer directeur ça pas fait pas bail grand chose parce que c'est son structure son plan de sécurité qui doit gagner dans la police là donc une nouvelle moi ça mon cap parler français on parler de une new
un nouveau paradigme, yon l'autre conception des choses pour qu'il change pour police nationale. Pendant ce temps, nous gagne correspondant nous Massiado Vilmé qui lui même ta sous béton qui a cherché qu'on est qui sa peuple là lui même penser sous nouveau développement ça yo dans pays. Un citoyen Silayo qui proche ancienne opposition politique là, mandé pour monsieur Léon Charles mettez à la disposition la justice. Léon Charles, c'est un monde qui impliqué dans paquet crime qui passe dans le pays. Je dis, nous demandons la communauté internationale là, nous demandons la justice pays, mettez Léon Charles en disponibilité pour le capable de répondre à la question de la justice. Parce que nous connaissons tout qui ça Léon Charles fait dans le pays. Je dis, côté peuple, côté monde dans le grand sud, pas qu'à passer, côté monde dans le nord, pas qu'à passer pour aller à la caillou parce que gang tout partout. Et mais je dis, nous dit que la justice prend responsabilité pour mettre Léon Charles en côté pour le capable de répondre à une question. Et Jean t'a arrêté militant pour le mettre dans la pénitentiaire sans juger, sans rien. Satisfait. C'est un point de débat bataille nous contre Léon Charles. Vous êtes tombé. Tout parent policier, à partir de aujourd'hui, elle porte plainte directement pour Léon Charles. Elle rentre devant la justice. Si la yo qui s'allie nomination France LB dans tête institution police là, pas espérer aucune solution dans crise insécurité. Même le gens n'ont pas sécurité, ils ne peuvent pas mettre, non? De bon dans le système ça, le système n'a pas d'embrouille. Même là, t'as venu pour faire un travail. Ou là, ou quand même mourir, même, on sait pas le travail là. Parce que chaque groupe bourgeois a un groupe qui travaille pour eux. De bout de 40, il y a des boîtes dans le kidnapping. Il y a des autres dans le kidnapping là. Ou même là, qui t'a comme DG la police, même là, t'as vu un travail là. Qui s'en parle café avec Mounsayo? Ou pas qu'à faire à Mounsayo? N'importe monde qui vient là, sous question insécurité avec la vraie Mounio, parce que même en dedans, ça, savoir qui vient qui là pour protéger, servir la population haïtienne, non? Même en dedans, institution, ça, ou la police là, nous croyons que yon policier, c'est auxiliaire de la justice. Même policier que les l'arrêté bandien, c'est lui-même qui auxiliaire de la justice à la guerre bandien, qu'on y a que le n'a pas de revers médaille bandien vient en face policier, ça rend policier, je ne jodia, vient pas qu'à assumer responsabilité face avec situation désastreuse. Nous disons, il prend responsabilité. Même Jean, lui mettez Léon Charles sous côté, dégagez pour lui mettre Claude Joseph, alors il n'en est que dans le cité dans la mort, président Jovenel Moïse. Là. Faut qu'il dégage, mettez Claude Joseph sous côté. Et pour Ariel prend pas chef, lui campé en chef, même Jean François Soulouk Tedil, je saurais mes conduits en chef. N'a dit Ariel Henry, prends responsabilité chef lui pour monter cabinet ministériel, rapide, chercher mes rio, parce que c'est Nexayo qui a baisé dans le pays. C'est Nexayo qui a investi dans Genève là pour caser le pays. Nous devons rappeler, M. Léon Charles passé environ 11 mois comme chef police nationale pays. D'après l'observateur, il y a plus de 10 policiers qui mourent avec plusieurs opérations qui paraissent ici, sous leadership de M. Léon Charles. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé, Dr. Kono Kapabwel, grand pile réaction qui sortit après changement ça qui fait dans tête police nationale là avec démission Léon Charles et c'est Franz LB Konya qui c'est nouveau patron PNH là. Et puis dans question justice, gain chef paquet tribunal civil première instance Port-au-Prince là, Franz lui juste qui fait qu'on est que gain un mandat d'arrêt contre groupe G9 là, surtout après attaque que fait contre membre gouvernement 17 octobre qui était là, nous songeait que gouvernement, ouais, premier ministre en tête qui était à praler dans Pont Rouge pour être capable de faire une offrande florale dans l'occasion anniversaire de la mort et empereur Jean-Jacques Dessalines. Eh ben, coup de balle, t'es fait que, eh ben, gouvernement t'es obligé de faire bac, eh ben, et pas qu'à tribunal première instance Port-au-Prince, là, France Louis Jeune, fait qu'on ait un mandat d'arrêt qui mettait derrière même G9, mais pendant ce temps, tout, gain jeudi à tout, gain manifestation, que G9 mettait de yo et dans la rue, ou capable à suivre manifestation ça sous page Facebook La Voix de l'Amérique. N'a pas quitté actualité à concernant pays d'Haïti, nous prenons international là. Après secrétaire d'État Anthony Blinken t'est passé toute journée jeudi 21 octobre là à faire rencontre au niveau à autorité dans Colombie, lui annoncer formation et un partenariat régional pour résoudre problème déboisement dans forêt Amazon. Lionel Demarat. You covered so much that we're working on together, and I think that's evidence of everything that. Après chef diplomatie les États-Unis, Anthony Blinken, défin font visite dans le jardin botanique Bogota. Il prend la parole pour dire, nous prenons offrir toute assistance financière nécessaire
pour aider à protéger zones réservées avec territoire indigène. Même Jean Pral aider plantes et éleveurs à opérer dans toute région Amazon, adopter quelques nouvelles pratiques agricoles qui pas tellement servi avec charbon. Monsieur Blinken ajoutait, nouveau partenariat régional ça. Pral aider empêcher environ 19 millions de tonnes métriques dioxyde de carbone entrer dans l'atmosphère pendant la bloquer en lagan, on l'autre quantité 52 000 tonnes métriques carbone en vain au dégager pour tal polluer l'air. Comme ça, d'après calcul nous fait, nous pral sauver plus passé 45 000 hectares forêt. Fin citation. Forêt Amazon non, traverse 8 pays dans Amérique du Sud là. Parmi eux, il y a Brésil, Colombie, Équateur avec Pérou. Amazon non, a quelques autres forêts, gagne une importance capitale pour le monde, pour ne pas dire pour la vie sous planète Terre. Parce que ils absorbent dioxyde de carbone, tandis que ils produisent environ un cinquième tout oxygène qui gagne dans le monde. À peu près un tiers dans masse territoriale Colombie. C'est-à-dire dans toute carte géographique pays a trouvé dans forêt Amazon. Président colombien Ivan Duque fixé quelques objectifs qui chargent ambition pour gouvernement. Parmi objectifs ça y est, un plan zéro déboisement d'ici année 2030. Dans déclaration secrétaire d'État Blinken fait pendant le tap lancé partenariat régional sur Amazon, il a attiré attention sur le fait que président Duque a remporté à Nessa prix conservation internationale, qui c'est une distinction, un groupe qui relève Fondation internationale pour préservation de la nature, remet une personnalité chaque année pour contribution dans effort pour protéger la nature. Secrétaire d'État Blinken fait annonce là, environ une semaine avant conférence Nations Unies sur changement climatique, yo, commencé dans la ville de Glasgow, dans l'Écosse, côté environ 100 leaders mondiaux pour aller réunir pour brasser l'idée sur changement climatique yo, avec façon pour combattre phénomène ça. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. But also at the same time we have to work to... Merci Demarat, toujours sur La Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC, c'est moment pour Mando pour me dire que attends nettement vacciné. Nous pral rejoindre Jean-Robert Philippe qui lui-même a suivre de façon spéciale pour nous. De c'est ça, Jean-Robert Philippe frontière pral ouvert, mais c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est alors son mesure que deux pays, on a parlé de Mexique avec Canada, mais eux bat bravo pour lui, même l'administration américaine bat bravo tout pour décision. Eux qui parlent d'économie et pays et qui partagent frontières avec États-Unis, eux pas partager, eux pas l'aider. Mais militants qui défendent droit immigrants eux-mêmes critiquer décision parce que eux dit et décision États-Unis seront deux poids deux mesures parce que ils pourraient permettre que monde qui vacciné rentrer aux États-Unis alors que lié caté moun kap chèche asile pou vinn nan peyi a. Administration américaine considéré comme une victoire et ouverti frontières terrestres li partagé à Canada et Mexique qui était fermé depuis mars 2020. Victoire pas seulement pour États-Unis mais tout pour Mexique avec Canada. Moun kap chèche asile sur frontière sud États-Unis partagé avec Mexique pas qualifié pour entrer aux États-Unis à cause loi sanitaire titre 42A qui en vigueur depuis mars 2020 et qui autorise l'administration à expulser immigrants sans documents légaux. Ministre sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas qui t'a commenté sur réouverture frontière terrestre là parler pour dire voyage transfrontalier créer activité économique pour communauté cap vivre tout de côté. Cependant, militants cap défendre immigrants constaté une disparité un traitement impartial sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là sous façon loi immigration appliquée. Yo fait remarquer États-Unis a accueilli immigrants qui traversent frontière soit comme visiteurs ou bien qui viennent faire business pendant que ils continuent appliquer loi fédérale santé publique là pour expulser une autre catégorie immigrants que yo vacciné contre pandémie COVID-19 là ou pas. Dans un rapport, un groupe qui défend les immigrants publié, il dit que l'administration Biden a utilisé le titre 42A pour les refouler au Mexique. Plus passer 7600 immigrants haïtiens pour plus fort. Immigrants sérieux, soit victimes de kidnapping ou bien subissent violence gang dans la région sous frontière. L'administration Biden a continué de défendre la politique d'expulsion que a modifié pour expulser les mineurs qui ne pas accompagnés par parents avec quelques familles qui accompagnent avec Timon. Moi, passé à États-Unis, ont autorisé plusieurs milliers d'immigrants parmi les Haïtiens qui étaient en bas pont international del Rio au Texas rentrer aux États-Unis pendant qu'ils expulsaient plusieurs milliers d'autres en Haïti.
Chris Magnus, président Biden, désigné pour diriger l'agence la douane à frontière États-Unis, CBP, qui était devant commission finance Sénat, mardi 19 octobre, là, pour séance confirmation, li, déclaré la continue à appliquer loi sanitaire titre 42A. Monsieur Magnus reconnaît défi qui existait sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, pendant que il soulignait nécessité pour appliquer loi sur immigration de façon humaine. Déclaration ça, pas satisfait militaire qui a défendu immigrants. Matt Nelson, responsable d'une organisation qui a défendu immigrants, déclaré application titre 42A pour un groupe immigrant particulier, pas chita soin. D'après lui, États-Unis, qui sont un leader dans la production de vaccins, ont une capacité pour vacciner les gens qui ont demandé asile. M. Nelson finit pour dire l'idée pour imposer restrictions, exclusions et punitions, c'est une réponse inhumaine qui n'est pas capable d'appliquer pendant une crise humanitaire. Jean-Bert Philippe, Washington. Lo que pasa es que todos llegan y solicitan la condición de refugiados, los haïtiens, estoy hablando, porque no tienen alternativas migratorias. Merci Jean-Robert Philippe. N'a prêté toujours la question immigration. Journaliste Jimmy Jacques est parlé avec un migrant haïtien. Jimmy Jacques Touvel dans l'État Floride. Crise migrant qui était éclaté sous frontière États-Unis, partagée avec Mexique, mois passé, te gen pour voir avec migrants qui sorti en Amérique du Sud et puis fort là-dedans, c'était haïtien. Administration président Joe Biden non, voyait en pile dans monde ça yo retourner en Haïti. Mais yo te quitté quelques autres entrées aux États-Unis. La Voix de l'Amérique te fait une interview exclusive avec Marcel, qui est un haïtien sahayo dans Miami, qui a expliqué la tribulation li passé avant li atterri ici là. Pour me battre ces chances, bon Dieu ensemble, parce que c'est pas moi qui gagne plus chance parce que tout le monde. Et d'autant plus que je considère ça comme une grâce. Parce que pour sortir de Chili pour arriver au Mexique, c'est pas moi ça fait. De Chili pour arriver, pour sortir de Chili pour nous faire tout, tout peut-être que nous prenons Bolivie, Pérou, Colombie, après vous nous prenez Panama. Bon, Panama, c'est le même qui pide. Si so, de Colombie à Panama, c'est le même qui pide. L'Europe sorti Colombie, l'Europe finit traverser l'eau, mettre sous bord, l'autre bord, l'eau, pour attaquer route et forêt, pour arriver, côté nous, les premiers réfugiés, ça c'est route, ça à pied seulement. À pied seulement. Et ceci, c'est pas bon route. C'est route la boue, c'est molle, t'es glissé falaise, l'eau. C'est ça qui fait en plus voler. Et puis ou avec madame ou avec un avec bébé. Avec madame moi avec un bébé et madame te gagne l'autre petit monde tout qui part pour moi nous tout façon accompagner nous. Il y a des monde qui mourir sans que c'est pas frappé ou frappé soit l'autre tout. Gomon va monter au monde ça va monter pendant 6 heures de temps. Va faire 6 heures de temps monter. Et c'est pas côté ou venir en tag globe pour parce que au monde. Si vous pouvez, c'est là de nous aller rapide. Et qui va poursuivre légal qui a fait pour dans les États-Unis? Bon, moi, je ça que je viens là parce que pour bien dire, je suis un bracelet. Vous avez toujours un bracelet? Oui, je suis un bracelet. Vous êtes capable de monter? Oui, je suis un bracelet. Donc c'est quoi, c'est 100 que vous avez? Oui, c'est ça. Ok. Marcel dit nous, ça seulement capable de dire monde qui pense pour une route ça, c'est que la route est dangereuse et est fragile en pile. Le monde qu'on a dit ça, mais c'est seul l'heure là-dedans. Il est et il n'est pas capable de faire back. Il n'est pas capable de dire qu'il vini, il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas vini. Jimmy Jacques, La Voix de l'Amérique, Miami, État Floride. N'a prêté toujours dans Floride et qu'on responsable consulaire dans ville Orlando en Floride prend décision pour aider immigrants haïtiens qui sortit dans pays tant que Mexique, Chili, Brésil et qui gagne chance rivé aux États-Unis et qui gagne problème pour joindre papier pour fournir by immigration ici aux États-Unis. Yves Montpremier depuis Orlando. Consulat pays d'Haïti dans ville Orlando, centre État Floride, a travail pour permettre immigrants haïtiens qui sortent dans Amérique du Sud, d'un coup dans pays Chili et pays Brésil, qui gagne chance rêver ici aux États-Unis, joint un document pour répondre à exigence service immigration. À côté document, gagne l'autre démarche consulat mené en accord avec diverses organisations plus leaders communautaires pour supporter immigrants. Consul Erwil Gaspard, c'est chef mission dans consulat pays d'Haïti, dans la ville Orlando.
mentionné au début que gagne et une nouvelle réalité qui frappe le consulat. Je pense que c'est réalité pratiquement tout consulat qui est aux États-Unis, yo, puisque nous avons pile compatriotes qui sont en Amérique du Sud, donc notamment au Brésil, Chili qui arrivent sous nous, en pile dans yo les arrivés sans document. Donc pour yo capable entamer quel que soit processus que Kayo nécessite aux États-Unis, faut que on documente l'identité, mais généralement c'est consulat qui pour bail document ça. Sur ça qui gagne rapport à question bail population en service. Consul Gaspard a dit nous gain ça qui relait programme proximité en dans consulat qui donc marche joindre population qui a fonctionné très bien. Ben et nous gain un service de proximité que généralement nous relait consulat mobile puisque nous al joindre communauté ou un peu partout en dans juridiction pour nous capable porter service ça pour yo. Donc par le passé nous te kon fè li et presque une fois chaque trois mois mais besoin yo augmenter donc faut que consulat lui-même est obligé ajuster donc chaque mois nous déplacer dans un côté différent pour nous capables à joindre compatriotes par exemple nous aller Jacksonville nous aller Tampa nous aller et Fort Pierce pour me citer trois côtés ça côté nous porter tout service consulat pour mon yo donc sans pas besoin de déplacer donc nous mener consulat la caille mon yo donc réalité c'est qui ça lié nous voulons chaque jour plus nous faire consulat li rentrer caille mon yo li vinn plus près mon yo. Depuis Ville Orlando, Saint État Floride, moi c'est Yves mon premier pour la voix de l'Amérique. N'a quitté diaspora et nous parlons dans province pays d'Haïti avec Jean-Hans Iska qui parle parler de insécurité et devant ça qui a passé dans pays. Bandi qui a fait la loi dans Matissan à distribution gaz là nèg armé empêché fait dans pays là, c'est deux points qui toujours continuent dominer actualité dans sud pays là. Coordonnateur observatoire pour égalité Jean-Claude Aristide qui estimait autorité ou pas gain volonté pour résoudre problème ça yo mandé premier ministre Ariel Henry pour démissionner gouvernement ou bien que tout le monde qui dirige pays a n'a pas gain place yo encore mais si nous pas gain place nous encore mais c'est remercier population quitter ça puis population à dégager comme Jean-Jacques pour connaître qui gens qui pour nous résoudre problème là. Beaucoup de parles, coordonnateur Union des formateurs animateurs du Sud en éducation civique et le respect des droits humains, UFADESH, Bélas Jean-Bénissel, dit gain inquiétude pour situation pas dégénérée dans le jour qui vient là, dans le pays d'Haïti, à problème d'insécurité. Ouais, ça nous était là pour l'insécurité, c'est la population qui vous levez comme un seul homme. C'est la population qui vous montez bonjour brigade. Parce que là, nous, l'État a dit faible, parce que si nous, ça passe dimanche seulement, nous montrons que nous vraiment, nos situations difficiles. Et si c'est l'État d'Aptan qui pouvait nous sécuriser dans le pays, nous mettons nos foutis. Quelques activités, tant que l'école a marché au ralenti.